But it's really to congratulate our colleagues all in this season. I would like for the last presentation, of course, to get involved with you, because I am myself also in agriculture, hobby agriculture, passionate. But we have science, we have many colleagues interested in Cultural Plus and how to find convergences between colleagues from different faculties, and I will place it in the chat. Let me see if I can. One article that one of these colleagues have written, it has this title. Heritage, sustainability, and health-related quality of life in elderly. A study of the possibilities of family orchards. This is Jardin Potager in Las Hurdes from an ethnography. So here is a very interesting also dimension that I don't have treated, but I have not been seen it very highlighted. But it's very important, the relationship between the time that people can spend in a jardin, in a garden, and the health-related quality, the implications for health. Because for most of us that are every day with the machines, like absorbing electricity through our hands, eating, swallowing, we can say, energy, microwaves everywhere. After, when we go to the garden, put our hands in the land, really under the land, our feet, bare feet, stepping on the ground, this is really a healthy health experience. It really impacts, I think, health. So we are going to also very important that we think about is the ergonomy for gardening, because even it's a healthy activity, many of the traditional agricultors, workers of garden have some problems in the back. Normally in the back, because they have really haven't paid attention to the ergonomy of working the land. So it's very interesting to work with our colleagues of sports science also to think about new ways of working the land with intelligent tools, even hand tools. But there are many different tools that can facilitate and not to listen to break our body with the agriculture. So these two things, I think it was important to tell you, and also my interest to work with you in these projects. And also to my colleague before speaking about the literature, again, congratulations. And it's a very interesting, very relevant field that we have to work in this framework of Cultural Plus, and that we can, I hope we will share more knowledge in the future for this. Okay, thank you very much. Merci Martine. Sur les aspects littéraires, je ne sais pas, est-ce que Morissette avait éventuellement des réactions par rapport à la présentation de Martine, ou réciproquement? Hop.
Oui, bah, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt la présentation de Martine, qui me rappelait beaucoup de choses connues, forcément, puisqu'on a travaillé pendant 4-5 ans à Clermont sur des programmes de valorisation littéraire. Je trouve tout à fait intéressant que ce type de réflexion et de projet se diffuse un peu partout. C'était un peu le sens d'ailleurs d'un numéro thématique de Théo Ross qu'on avait présenté un peu comme un manifeste finalement sur le tourisme littéraire pour lui-même. Et voilà, enfin, pour s'il s'agit, alors moi aussi je vais lancer des perches, hein, s'il s'agit de mener des collaborations à l'avenir sur ce type de programme, on est bien sûr tout à fait ouvert pour faire des comparaisons entre la France, l'Espagne, d'autres territoires, le cas échéant, chacun ayant ses spécificités. Et effectivement, enfin, j'ai bien retenu aussi l'idée, me semble-t-il, qui était également un peu la nôtre. C'est on attrape le public par le biais du tourisme, mais il s'agit ensuite finalement de faire, par le biais de la littérature, mais il s'agit de faire découvrir un territoire. Et les richesses diverses, patrimoniales, naturelles, etc., d'un territoire au prisme des écrivains, de la littérature. Donc, je n'ai pas vraiment de questions, disons que plutôt j'ai bien remarqué les points communs entre nos approches et nos réflexions sur ces questions de tourisme littéraire. Peut-être que la dimension paysagère est un petit peu plus forte chez vous. Donc, ça serait peut-être quelque chose à creuser chez nous, du coup. Mais voilà. Merci. Je lance l'invitation à continuer à collaborer là-dessus. Et dans le cadre du projet Cultural, on avait aussi discuté rapidement avec nos amis, nos collègues de Grèce, de Thessalie, aussi peut-être d'une autre dimension qui peut être la dimension aussi mythologique, qui n'est pas tout à fait la même, mais qui peut-être peut aussi permettre de découvrir des territoires, de découvrir les ressources d'un territoire, et y compris avec des itinéraires, hein, qu'ils soient routiers, pédestres, etc. Je ne sais pas si les collègues de Grèce ou Constantinos ou d'autres collègues trouvent de l'intérêt à cette approche aussi, en Thessalie notamment. Yes, I'm here. Just a moment. Okay. It's okay now? Okay. Constantinos, c'était bon. C'était okay. C'était OK, c'est plus OK. I have a little problem with the camera. OK. On t'écoute en tout cas. OK. Just a moment. In a minute, please.
peut aussi demander à Marina pour ce matin sa présentation aussi, c'est les liens entre la littérature et le tourisme, les musées sont aussi un thème sur lequel elle a beaucoup travaillé. Oui, en partie, pas tellement dans le Casentino, mais en fait, dans le Casentino, bon, on n'avait pas le temps, donc j'ai évité d'ajouter ça, mais ils ont créé un premier parc littéraire qui n'a pas eu pour le moment beaucoup de succès. Donc, la ressource littéraire, ils sont en train de la valoriser au-delà du chemin de Dante, qui est celui-là, il a pas mal de succès parce qu'il y a en fait un cheminement tout le long du fleuve qui a été récupéré sur les anciennes voies de chemin de fer et qui permet de faire du tourisme pédestre, mais aussi par exemple de s'y balader en vélo ou avec des animaux. Donc souvent ce sont des activités, si vous voulez, qui sont plutôt disons sportives disons dans le but de s'aérer, de se relaxer, auxquelles on ajoute des activités littéraires, par exemple des lectures au moment des pauses de Dante, de certains passages de la comédie où il y a eu la bataille de Campaldino ou ailleurs. Et ça, justement, comme je disais ce matin, c'est assez intéressant parce que grâce à l'association qui élève des ânes pour la pet thérapie, ben, il y a aussi toute la question de l'accessibilité universelle de ces parcours qui est abordée et qui est, disons, en partie résolu avec des sièges particuliers à mettre sur les ânes pour transporter les handicapés dans le mouvement des jambes, disons, et ainsi de suite. Donc, il y a, dans les Casentino en particulier, il y a d'un côté un mélange de ressources littéraires et tourisme durable, donc parcours, chemin, cheminement, etc. Et de l'autre côté, une tentative de parc littéraire, mais d'une écrivaine qui n'a écrit qu'un recueil de nouvelles, qui n'est pas connue, et qui ont exploité tout simplement pour montrer que bon, ça valait peut-être la peine d'exploiter la ressource parc littéraire, mais qui n'a pas vraiment eu beaucoup de succès parce qu'il n'y a pas tellement d'activités qui suivent, etc. Dans d'autres italien, il y a eu disons des expériences de parcs littéraires beaucoup plus actifs qui continuent aussi depuis des années, donc qui ont développé des activités. Mais disons la question de parcs littéraires en Italie est assez compliquée parce que ça vient de loin, ça vient de financements européens, ça vient de parcs littéraires qui étaient qui après ont été phagocytés par une entreprise touristique, commerciale touristique. Et donc, il y a en fait deux gros groupes de parcs littéraires, ceux qui sont regroupés et qui sont chapeautés par cette entreprise, et les autres qui sont libres, mais qui doivent faire du crowdfunding. Et ils ont besoin en fait de fonctionner de manière différente, souvent ont une forme associative et ils ont du mal à survivre. Mais c'est plutôt les parcs littéraires qui priment sur d'autres, en ce moment en tout cas, sur d'autres formes de valorisation littéraire en Italie. Voilà. Merci. Merci Marina. Alors, je ne sais pas si Constantinos peut... Yes, I would like only just to add that all these good examples are very interesting, and
2 weeks ago, we have a conversation with the Vice President of UEFA regarding the green sports. All these sectors is very close connected because in our regions, which have extended green areas, we can combine the green sports, all the intangible heritage, and the other activities. We can combine also the traditional farming and the healthy way of living. By the first, I think all these are not are a very close connected because all these are the alternative way of living and very good paradigms for the urban population about the new standards of living for the European countryside. This is my opinion, and in my presentation later, I will focus to these sectors. Okay. Thank you, Konstantinos. Okay, another question or discussion, point of view. Je peux rajouter quelque chose? Oui. Pour ce que on a pu observer dans le cas français, si on se place sous l'angle des retombées directes pour les territoires et en particulier les territoires ruraux en matière de valorisation de tourisme littéraire, ce sont les itinéraires de randonnée, mais de grandes randonnées, qui peuvent apporter véritablement quelque chose et quelque chose de mesurable. On le voit aussi bien pour le chemin de Stevenson que pour les maîtres sonneurs, ce qui est assez logique dans la mesure où quand les randonneurs sont embarqués sur un sentier de grandes randonnées, ils sont captifs, ils sont obligés de se restaurer sur place, le cas échéant, de trouver un hébergement, même si c'est un camping, etc. Et on l'avait notamment observé, puisque Martine parlait du chemin de Stevenson, effectivement, on a fait des recherches sur le chemin de Stevenson, et c'est clair qu'il y a eu quantité de créations d'activités avec des nouveaux gîtes, des restaurations, etc. Si on fait la comparaison, par exemple, avec des itinéraires petites randonnées sur les pas de Giono du côté de Manosque, où ça a été plutôt le choix de petites randonnées, les retombées directes sur le territoire sont beaucoup moins, d'abord elles sont difficilement mesurables et c'est beaucoup moins clair parce que les gens peuvent venir de la ville, faire leur randonnée, repartir chez eux et au mieux ils vont consommer un café sur place. Donc voilà, si on se met sous l'angle économique, nous ce qui ressortait c'est vraiment les itinéraires de grandes randonnées à valoriser. Après, les autres formes, donc des visites de lieux, de maisons d'écrivains, de choses comme ça, c'est plus ponctuel et je dirais que ça participe plus, c'est un élément parmi l'offre touristique globale, mais qui est bien sûr important, mais c'est difficilement, on peut difficilement faire reposer tout un dispositif uniquement sur une maison d'écrivain, enfin sur un lieu comme ça. Voilà ce que j'avais à ajouter. Okay.
Ok, merci.